Bonsoir à toutes et tous. La bibliothèque universitaire est ravie d'accueillir Timothée de Fombel ce soir. Cette rencontre donc sera autour de son œuvre Alma et du XVIIIe siècle dans le roman Pour la jeunesse. Cette rencontre sera animée donc par Colas Duflo, professeur des universités à l'Université Paris-Nanterre, et Audrey Follo, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre. D'accord. Merci. Alors, merci. Merci Timothée de Fombel d'être venu jusqu'à Nanterre et merci d'être resté. Donc nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Timothée de Fombel. Comme je le disais à nos étudiants, nous autres spécialistes du XVIIIe siècle, nous avons rarement l'occasion de rencontrer des auteurs vivants. Donc, on s'en réjouit d'autant plus. Pourtant, il y a quelques années, justement, peut-être frustrés à cause de cette triste réalité, nous avions entrepris une série qui s'est arrêtée avec l'épidémie qu'on connaît autour du... manière dont les écrivains d'aujourd'hui s'emparent du XVIIIe siècle, prennent comme décor, comme sujet, comme... nous avions eu une très belle séance avec Patrick Wadlazowski autour de son livre « La Terreur » et Pierre Michon autour de son livre « Les Onze ». Donc, autour du moment révolutionnaire. Et dès que les choses sont redevenues possibles, nous avons souhaité reprendre ces rendez-vous avec des écrivains de notre temps qui abordent le XVIIIe siècle. Et justement, ayant lu tout l'été Alma, l'évidence nous a frappé. Qui faut-il inviter? Bien sûr, Timothée de Fombel. Parce que on a là un roman... monde hein, qui s'empare du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, on y reviendra, le premier volume, les volumes sont datés, le premier volume était 1786, et puis voilà, ça progresse. Donc c'est ce moment d'avant la Révolution, c'est un roman qui s'empare de la totalité du monde et qui en fait le lieu et moteur même de son intrigue, et puis c'est surtout un formidable roman d'aventure. Je disais tout à l'heure, en arrivant, que moi j'ai rencontré l'œuvre de Timothée de Fombel à cause d'un collègue spécialiste du XVIIIe siècle, mais c'était bien avant Alma, qui venait de lire Van Gogh, et qui m'a dit il faut absolument que tu lises Van Gogh. Ouais. Voilà, il me l'a donné, et prenant mon train, je me suis emparé de ce roman que je n'ai pas lâché, voilà, comme Alma. Voilà, alors peut-être qu'aujourd'hui, avec Alma, de ces grands romans, c'est peut-être votre roman le plus ambitieux à ce jour, parce que justement, c'est le monde entier qui est le théâtre de la scène, c'est toute une époque qui est saisie avec ses ambiguïtés, et puis aussi dans son potentiel romanesque. Et voilà, c'est tout cela qui va nous occuper aujourd'hui. Qu'est-ce que ce roman nous dit du rapport de l'écrivain à l'histoire, et au XVIIIe siècle en particulier, et peut-être dans le cadre du roman d'aventure, enfin si vous reconnaissez dans thème de roman d'aventure, et aussi la manière dont les débats sur les Lumières sont aussi des enjeux de ce roman. C'est quelque chose qui nous a frappé à la lecture. On retrouve l'actualité des questions qu'on se pose aujourd'hui sur les Lumières, mais évidemment pas
comme un sujet romanesque. Voilà. Et puis bien sûr aussi la difficulté du sujet qui est abordé, puisque ici nous ne sommes pas dans un monde imaginaire, comme c'était le cas avec Toby Holness, mais le récit prend pour cadre et pour moteur même de son action le commerce triangulaire, qui est une question, comme on sait, encore douloureuse et difficile aujourd'hui. Et là, c'est la question peut-être de la responsabilité du romancier qu'on aura l'occasion d'aborder. Voilà, toutes sortes de sujets que nous aimerions traiter aujourd'hui. Peut-être quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Timothée de Fombelle, très rapidement. Timothée de Fombelle est né en 1973 et les lettres, j'ai bien compris, vous avez été dramaturge aussi, alors je n'ai pas passé en revue toute la bibliographie, mais voilà, le premier roman qui a eu un très grand succès, un très grand retentissement, c'est Toby Loveless, hein, qui est ici, chez Gallimard Jeunesse, qui a obtenu de nombreux prix, un succès international, qui a été suivi par de nombreux ouvrages, dont Van Gogh, dont je parlais tout à l'heure, en 2010. Et puis, voilà, en 2020, vous avez commencé cette grande trilogie, Alma, avec un premier volume paru, Le vent se lève, qui est volume vert qui est ici. C'est des très beaux volumes, hein, l'illustration de couverture est vraiment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, les illustrations à l'intérieur et les couvertures sont très, très réussies, je trouve, c'est François Place. Et le deuxième volume, L'Enchanteuse, est paru en 2021. Voilà, donc tout récemment, et puis voilà, nous attendons le troisième volume sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors peut-être je peux vous laisser présenter le livre à votre façon. Alors je vais le présenter effectivement à ma façon, et qui est finalement peut-être la plus maladroite. Tout à coup, je me suis rappelé entre le chemin, entre la porte de cet espace et ici, que c'est vrai que j'avais dit que j'étais d'accord pour présenter le roman, et or c'est pas évident quand on j'ai entendu quelques résumés magnifiquement faits par des gens extérieurs qui arrivaient à trouver le fil par lequel raconter cette histoire. Moi je suis tellement en dedans que c'est plus difficile, mais disons que c'est un roman d'abord auquel je pense depuis très très longtemps, mais on pourrait peut-être en parler, la genèse de ces histoires. Toutes les histoires viennent, pour moi, elles viennent du grand réservoir de l'enfance, d'une manière ou d'une autre. Et cette histoire, elle démarre dans une vallée fermée, au cœur de l'Afrique. On a fait, dans le tome 2, une carte, et en faisant la carte, François Place, qui la dessinait, m'a dit « Mais où je mets cette vallée ?» Je lui dis « Mais je veux pas te le dire, je veux pas le savoir, je ne le sais pas. » Donc on a mis un emplacement vague sur le continent africain. Mais autant tous les lieux dont je parle dans le roman sont extrêmement précis, autant celui-là, il est un peu perdu parce que c'est peut-être le seul lieu fictif, cette vallée précise, comme une sorte de cratère au milieu, protégé par des falaises, au milieu et qui pour moi, d'ailleurs, revient aussi aux origines de l'humanité. D'ailleurs, j'ai été, au moment de l'écriture, du côté de la Tanzanie, du Kenya, de ces régions-là, parce qu'autant je connais un peu l'Afrique de l'Ouest, qui est l'essentiel du point de départ de mon histoire, autant je ne connaissais pas du tout ces régions-là où je mettais un peu mon début de roman. Donc, cette vallée, une famille, trois enfants, les parents, et l'ordre de ne pas sortir de cette vallée. On est presque dans le conte, là, à ce moment-là. Et puis, évidemment, quand on n'a pas le droit de sortir de quelque part, on n'a qu'un rêve. C'est d'en sortir, et voilà le petit frère, l'âme qui part,
un peu à cause d'Alma, qui lui raconte des choses, mais comme des histoires qu'on raconte le soir pour faire rêver, et sans savoir du tout ce qu'il y a à l'extérieur, qui lui raconte un monde merveilleux à l'extérieur. Et il part, et Alma part à sa suite pour... Et toute la famille se trouve complètement disloquée. Et petit à petit, et expulsée de cette vallée, et se retrouve dans un monde qui est le monde de la fin du XVIIIe siècle, puisqu'on est en 1786, donc l'été 1786, et que c'est peut-être les quelques années d'apogée de la traite, de ce commerce qu'on dit triangulaire, mais qui est un peu plus compliqué que ça, entre l'Afrique, les Caraïbes, le grand continent américain, sud et nord, et puis l'Europe. Et évidemment, ce monde que Calma croyait un monde rêvé à l'extérieur devient le lieu. Alors, non pas le lieu où elle est ballottée, parce qu'elle a son destin en main, mais le lieu quand même qui est fait des obstacles que nous, romanciers, on cherche pour écrire des histoires. On veut mettre des épreuves, et là, il y a tout ce qu'il faut. J'avais pas à en inventer beaucoup, puisque 13, 14, 15 millions d'Africains ont été arrachés en 3 ou 4 siècles au continent africain, et emmenés, déportés, transportés vers l'autre côté de l'Atlantique. Crime contre l'humanité, je crois depuis 2002 ou quelque chose comme ça, en tout cas c'est officiel, mais c'est vrai surtout depuis 4 siècles à vrai dire. Alma, voilà, et c'est l'histoire d'Alma, de sa famille, et puis deux autres parcours, en particulier deux, pour n'en citer que deux. Joseph, jeune garçon qui monte un peu par hasard dans un bateau à Lisbonne, et il ne sait pas très bien où il va, mais il a une recherche, il croit qu'il y a quelque chose sur ce bateau, un trésor. Joseph Mars, il s'appelle, et il monte sur ce bateau qui s'appelle la Douce Amélie. C'était le temps quand même où les armateurs avaient l'idée de nommer leur navire de traite, leur navire négrier, du nom de leur fille chérie, la Douce Amélie. C'est une sorte de paradoxe flottant là, de ce bateau qui c'est avec à sa proue la sculpture de cette jeune fille de 14 ans, Amélie, et qui est le troisième personnage un peu que je suis aussi, qui est donc cette fille d'armateur. Et puis dans le pont inférieur, on est encore au Portugal, mais bientôt il y aura 500, 550, et puis parfois sur certains autres navires, c'est jusqu'à 1000, 1200 captifs, qu'on appelle encore captifs, parce que c'est vraiment la vente et le travail qui vont les transformer en esclaves de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, et donc comme souvent dans mes histoires, il y a l'histoire d'une quête ou d'une fuite ou d'une tout ça à la fois entre le Saint-Domingue, beaucoup cette île qu'on appelle maintenant, enfin cette partie de l'île d'Hispaniola qu'on appelle Saint-Domingue, mais qui maintenant s'appelle Haïti depuis bien longtemps, depuis la fin du XVIIIe justement, et puis. Dans le tome 2, la Louisiane, et puis toute l'Europe, l'Angleterre, Liverpool. Et c'est vrai que je prends le monde comme terrain d'aventure dans un roman comme ça, et même au-delà, parce que je pars même en Australie, mais n'importe quoi, bah vraiment, alors que j'essayais de me réduire un petit peu, mais en fait, les nécessités de l'histoire que je raconte m'emmène, c'est peut-être le propre aussi de ce type-là, de cette famille de romans qui m'emmène vers le... y compris dans la baie de Sydney au moment où elle est fondée. Voilà. Et puis, pour parler de ce dans quoi je suis en ce moment, parce que je suis en pleine écriture et vous me
tiré de mon atelier d'écriture en venant en parler là, ce qui me réjouit beaucoup, qui est vraiment une récréation pour moi, et il me donne confiance aussi. Je suis là, plongé dans les années suivantes. Le deuxième tome se termine à la fin autour du mois de juin 1789. Et donc je me retrouve, je me suis retrouvé en démarrant le tome 3 au mois de juillet 1789, ce qui n'est pas rien, et à raconter, en fait, je suis entre deux révolutions, ou une révolution et une révolte, puisqu'il y a celle de Saint-Domingue, la libération des esclaves par eux-mêmes, en dehors des processus d'abolition qui parcourent, j'en parlais des Lumières, qui parcourent la fin du XVIIIe siècle, mais qui sont quand même des discours entre peuples esclavagistes, finalement, ce combat de l'abolition. Il y a la libération des esclaves par eux-mêmes, par le marronnage, cette manière de fuir, de recréer des communautés en dehors des plantations, et puis surtout par cette révolte de Saint-Domingue qui est la première, première révolte massive de 500 000 esclaves qui vont faire comprendre qu'ils sont 500 000 alors qu'il y a 30 000 maîtres et 30 000 blancs dans cette île et que le rapport de force était un risque gigantesque que prenaient ces planteurs en ne se rendant pas compte que voilà. Et puis, d'ailleurs aussi, les autres communautés, que ce soit ce qu'on appelle les mulâtres, donc je suis vraiment plongé là-dedans et ça va me mener. Et ce qui est étonnant, c'est que pourtant je suis vraiment bâtisseur à construire des histoires en sachant où je vais, je sais, j'ai toutes mes révélations des derniers chapitres prêtes, mais malgré tout, il y a plein de choses qui bougent parce que la vie vient nourrir l'écriture au fur et à mesure. La vie, les lectures, le fait de ne plus être simplement dans le récit commun qu'on connaît de ce qu'est l'abolition, ce qu'est la révolution. Tout à coup, on en découvre toujours, plus on plonge dedans, plus on en découvre la complexité. Et donc, ça fait bouger, ça nous fait changer, nous, auteurs, et ça fait changer l'histoire qu'on raconte. Donc, voilà, pour un tout petit peu faire une traversée un peu floue, mais peut-être aussi pour vous donner envie d'aller voir plus loin, ce que sont ces deux premiers volumes et ce que sera ce troisième volume. Merci. Alors, nous avons prévu des tas de questions, parce qu'on avait des tas de questions à poser, mais surtout, n'hésitez pas à en poser aussi. C'est une séance ouverte. Mais peut-être que Audrey peut vous lancer. Eh bien oui, merci d'avoir noué tous les fils de ces romans très complexes et vraiment qui, comme vous l'avez dit, parcourent le monde. Moi, j'avais une première série de questions autour de comment écrire un roman qui se déroule au XVIIIe siècle et notamment quelle place occupe la documentation, parce que Alma, c'est un cycle romanesque qui révèle, quand on lit, un grand travail de documentation dont vous venez justement de parler. Dans le tome 1, je pense à la vie sur le bateau, qui est décrite avec beaucoup de précision, beaucoup de termes techniques, pour aussi représenter la condition des captifs sur ces navires. Il y a vraiment des lieux très soigneusement décrits. Vous avez parlé de Saint-Domingue, il y a aussi la cour de Versailles qui apparaît à la fin du tome 2. Et ces précisions historiques, elles sont d'autant plus importantes dans un roman pour la jeunesse, qui est guidé par une ambition entre autres pédagogique. Donc, parce que les jeunes lecteurs connaissent sans doute peu de choses sur la vie au XVIIIe siècle et sur ce fameux commerce triangulaire, sujet qui exige lui-même une forme de précision de la part du romancier. Donc voilà, les premières questions que j'avais, c'était à quelle documentation est-ce que vous avez eu recours, quelles ont été vos sources, vos documents de travail pour Alma, et puis surtout comment est-ce que vous avez utilisé cette documentation, parce qu'on voit bien en vous lisant que vous travaillez à partir de sources, mais que vous en faites un usage assez différent de ce qu'on peut trouver par exemple chez Jules Verne, où il y a des passages quasi encyclopédiques, comment est-ce que vous avez intégré ces informations, cette documentation au grand récit romanesque.
Oui, alors c'est vrai que c'est un monde qui est très loin. Et d'ailleurs, je n'ai jamais réussi à écrire sur aujourd'hui, je crois, à part deux petits livres peut-être. Ça se passe soit dans un arbre, soit au début du XXe siècle, soit dans le futur. Je pense à un petit livre qui s'appelle « Céleste, ma planète ». Et là, je vais. J'ai jamais été aussi loin dans le passé d'un certain côté, le 18e. Et donc, tous les repères que j'avais, par exemple, avec Van Gogh, qui est né en 1915, qui est l'année de naissance de trois de mes grands-parents. Et donc, mon héros, je voulais qu'il soit, qu'il y ait un lien de sang avec lui, que je sois son petit-fils, même s'il il me paraît beaucoup plus jeune que moi. Et j'ai grandi avec les récits, en particulier de mon grand-père, mais aussi de mes grands-mères, de leur jeunesse, de leur enfance. Donc j'avais l'impression d'avoir ce lien-là, très fort. Et là, tout à coup, je me retrouve dans un siècle. Là, il y a le cordon ombilical qui, quand même, est très très tendu, voire qui n'existe pas, entre cette époque et moi aujourd'hui. Et donc, il faut se plonger dans de la documentation et en même temps ne pas créer de distance avec ce temps-là. C'est une des raisons pour lesquelles une de mes règles du jeu que je me suis donné dès le début, que j'avais jamais osé, qui est de raconter au présent, qui est le temps le plus glacial qui existe pour raconter autant un bon vieux passé simple. Tout devient beau, quoi. Ils étaient là, ou imparfaits, ils étaient là, assis dans ce recoin de la bibliothèque universitaire. Tout d'un coup, c'est beau. Alors, ils sont là, tout ça, c'est froid, c'est descriptif, c'est clinique. Et pourtant, je sentais que justement, il y avait déjà des risques de poussière, de beaux costumes ou de vieux bateaux, de vieux gréements, de tout ça, qui allait mettre tellement à distance. Comment créer l'émotion avec ça? Et donc le présent a été un moyen de raccourcir complètement. Et je me suis d'abord plongé. Alors d'abord, ça ne se fait pas en me disant, tiens, je vais m'y mettre, je vais me renseigner, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'esclavage? C'est quelque chose depuis... J'ai découvert en fait ce sujet-là quand j'avais 13 ou 14 ans. J'habitais en Afrique et j'ai découvert les forts de la côte du Ghana avec mes parents et ma famille. On habitait en Côte d'Ivoire et on est parti pendant des vacances d'automne découvrir ces lieux, c'est des forteresses abandonnées sur la côte du Ghana. J'avais donc 13 ans, j'étais en quatrième et j'ai eu le choc de la découverte de à la fois de l'esclavage et de ces lieux-là qui étaient à l'abandon, qui n'étaient pas du tout, maintenant c'est des lieux qui se visitent pas mal, mais nous on était absolument tout seuls dans ces lieux, il y avait juste un vieux gardien et nous, et les lieux laissés, abandonnés, finalement un siècle et des poussières plutôt, de 1850, pardon, quelque chose comme ça, ces lieux, ils ont été... Il y a eu encore, de manière officielle ou pas, de la traite qui se faisait par là. Donc, à partir de ce moment, c'est un choc fondateur qui fait que je savais qu'un jour j'écrirais là-dessus. J'écrivais déjà à 13 ou 14 ans et j'écrivais des petites choses. Et je crois vraiment, dès le lendemain, m'être mis à écrire des petites choses sur ce sujet. Donc là, ça ouvre tout à coup le regard. Et pendant les 35 ans qui suivent, je m'intéresse à ça. Donc je prends pas un sujet, tous les sujets que je choisis sont des sujets qui m'habitent depuis très longtemps et à vrai dire depuis l'enfance ou l'adolescence. Donc je connaissais, j'avais été curieux de ça depuis toujours, mais j'étais incapable d'en avoir la connaissance qui me permette de faire me déplacer mes personnages. Là, il faut que je crée un décor en 3D, une connaissance parfaite, comme mon personnage ouvre les yeux et qui tourne autour de lui, qu'est-ce qu'il voit, quelle est la vie, qu'est-ce qui se passe dans les rues de la ville du Cap-Français
à Saint-Domingue en mars ou en mai, non mars, mars 1787 pour le début du tome 2. Donc je dois, alors les sources c'est des livres d'histoire pour dégrossir, des livres d'histoire, c'est-à-dire comprendre les mécanismes, comprendre le fonctionnement, donc ça c'est le fonctionnement économique de la traite, comprendre les évolutions, les transformations, comprendre voilà, pour la suite là, la révolution qui est quand même un sacré... Alors, sans parler de la révolution de Saint-Domingue qui là est d'une complexité énorme, parce que c'est, il y a des va-et-vient, des transformations, qui est, voilà, tout à coup des révoltes d'esclaves royalistes tout à coup, et puis enfin c'est contre les républicains, et puis tout ça s'inverse à d'autres moments, c'est incroyablement complexe. Donc tout ça, c'est le travail. Un jour je les remercierai, je mets pas de remerciements dans les livres, mais je ferai, je sais pas de quelle manière, alors j'ai une bibliothèque, alors je vais un peu en bibliothèque, mais je vais beaucoup, j'achète beaucoup de livres parce que je les consulte sans arrêt. Et donc j'ai ces livres-là, je ne sais pas, je pense, le bateau négrier, pour le connaître, voilà, il y a quelques livres qui sont vraiment, en particulier un grand historien, qui s'appelle Marcus Rediker, qui est un historien américain, qui a fait un gros livre qui est vraiment sur ce navire-là, mais dans lequel il manque plein de choses pour moi, qui doit y faire bouger mes personnages, savoir combien de marches doit monter le capitaine pour sortir de sa cabine et rejoindre le gaillard d'arrière, quelle est exactement la surface des voiles, quelles voiles sont... Bon, tout ça pour le savoir, pour ne pas le dire en plus, c'est ça qui est déprimant, mais pour être chez moi, dans ce monde. Donc Marcus Rediker, il est passionnant parce qu'il étudie l'Atlantique. Alors il a une vision très personnelle de l'Atlantique, d'une sorte de prolétariat de l'Atlantique. Il a une version marxiste en fait du 18e siècle, de l'Atlantique du 18e siècle, avec, en mettant un peu dans le même panier les esclaves évidemment, mais les pirates aussi. Les marins même, qui finalement, en regardant de près la mortalité des marins pendant les traversées, étaient assez proches de celle des esclaves, ce qui est des marins de base, hein, je parle vraiment des marins, alors pour des raisons complètement différentes d'ailleurs, eux mouraient surtout sur la côte de l'Afrique pendant les 4 ou 5 mois de cabotage où on faisait ce que j'ai appelé cette barbare cueillette là des captifs dans chacun, sur toute la côte, parce que on n'achetait pas du tout ces captifs à un seul endroit. Il fallait aller de fort en fort, ou de lieu, de comptoir en comptoir. Donc voilà, mais pour compléter, pour justement continuer un petit peu sur le bateau, j'ai eu la chance de découvrir une monographie faite beaucoup plus tôt, dans les années, ben justement, au moment où j'habitais en Afrique, mais je ne savais pas qu'il travaillait là-dessus comme un fou, un type qui s'appelle Boudriot, qui a fait des monographies de bateaux sur des années, et il en a choisi un qui s'appelle l'Aurore, qui est parti en 1784 du port de Rochefort, donc pas loin de mon port de La Rochelle, et 2 ans avant le mien. Donc c'était parfait, et il a fait 60 plans qu'il a dessinés de ce bateau, toute la charpente. Il se basait sur à la fois l'archéologie navale, de tout ça, des plans de bateaux, des plans d'architectes de l'époque, tout ça. Et donc l'Aurore, il s'appelait, moi je l'ai pris pour moi, c'est ma référence sur la longueur, voilà, je suis parti là-dessus. Et puis ensuite, il y a des ressources très très précieuses que sont Gallica, par exemple, pour plonger là, dans des documents qui n'ont peut-être jamais été lus, qui ont juste été scannés par quelqu'un de dévoué et mis en ligne. Et ça permet de rentrer dans des documents incroyables qui permettent d'avoir des sources de récits de capitaines de navires,
des récits, une énorme somme faite autour du Saint-Domingue le sentiment de propriété là, mais dans les années 1790, de Saint-Domingue exactement. Alors là, pour le coup, je les ai imprimés là, c'est pas bien pour. J'ai détruit des forêts, mais j'ai fait 1000 pages d'études de Saint-Domingue. C'est là que je prends quel est le prix de la traversée du bac au Cap Français, justement, ou comment, quelle est la fréquence, qui prend ce bac, pour pouvoir décrire précisément. Voilà, mais c'est passionnant, il ne faut pas se perdre. C'est ça le risque, c'est qu'en fait, il faut quand même, ensuite, il faut tout balancer et raconter son histoire à main nue, en écartant ça, parce que, et en disant le moins possible, mais en rendant vivant ce qu'on décrit, et avec un effet de, ouais, une sorte d'effet de réel, qui a quelque chose que je recherche. Puis tout ce qui est cartographie, il y a des très belles cartes là aussi sur Gallica. Et puis de temps en temps, des recherches tout autres. Je pense à. J'allais voir les. Par exemple, j'ai découvert la South Carolina Gazette, qui est un journal qui est aussi en ligne. On peut l'avoir gratuitement si on consulte pas plus de 100 documents par an, quelque chose comme ça, ce qui est mon cas, dans des universités américaines, on peut le trouver. Et c'est South Carolina Gazette, il y a toutes les petites annonces des esclaves échappés. Et ça permet de. En fait, c'est terrible, mais ça permet. Donc elles sont juste là aussi scannées et disponibles. Et ça permet d'avoir des. Donc j'essayais au max d'avoir des informations, par exemple, sur le traitement, parce que les signes de reconnaissance qu'on met sur ces petites annonces, ce sont les maltraitances faites par les maîtres, finalement. C'est ça qui est terrible. C'est, le maître dit, je cherche cet esclave échappé, et il dit, il a, comme par hasard, voilà, mes initiales sur la joue, parce qu'il a déjà essayé de s'échapper, et qui ont été gravées au fer rouge. Et ça, c'est des documents, de les voir sous les yeux, de les avoir sous les yeux, c'est très, très. Très, voilà, c'est beaucoup plus fort que de le trouver dans des livres d'histoire. Bon, ça me donne vraiment l'envie de faire une bibliographie un peu large un jour, parce que je cherche les informations de tous les côtés. Bon, trop longue réponse, pardon. Merci beaucoup. Je me disais qu'on pouvait peut-être lire un petit extrait qui correspond à ce que vous êtes en train de dire. C'est l'extrait numéro 1, c'est le moment où le charpentier Jacques Poussin, dans le bateau, explique à Joseph le fonctionnement économique du commerce triangulaire, justement ensuite pour pouvoir réfléchir à la façon dont l'ambition pédagogique se manifeste aussi dans le roman autour de, voilà, une fois que vous avez recueilli toutes ces informations de façon très impressionnante, ainsi que vous nous l'expliquez, comment est-ce que vous allez utiliser le roman pour en parler. Donc, est-ce que... Oui, je peux le lire, parce que même pour écrire le troisième tome, j'arrive pas à relire mes livres tellement j'ai envie de les changer, donc là c'est des occasions. Je vais vous dire le secret de ce commerce. Pas un gramme d'or ne doit quitter les frontières du royaume. C'est donc le charpentier Poussin qui parle et qui raconte ça à deux jeunes gens qui sont à côté de lui. Il prend une grande inspiration. Il faut d'abord rendre l'or invisible. Invisible ? Oui, ils le font disparaître. Ils le dispersent. Poussin fait en l'air un petit geste magique avec ses doigts. Abel et Joseph s'approchent de lui sans oser s'asseoir. Il commence par enrichir les chantiers où on construit les bateaux. Il paie les forestiers, les marchands de bois, les artisans, tous les gens du port, puis les manufactures de France et d'ailleurs, les fabricants de biscuits ou de mauvais fusils, de taffetas, de soieries, d'eau de vie, les assembleurs de couteaux, les marteleurs de bassines de cuivre ou d'étain,
Ils achètent tout cela en quantité. Ils se débarrassent de l'or. Et depuis les ports, cet or remonte les fleuves et les rivières, comme dans les veines du pays, pendant que les produits redescendent. Le navire se transforme en un grand bazar flottant, une caverne de planches remplie jusqu'au sabord. Le navire s'en va. Et, arrivant en Afrique, le capitaine échangera ce chargement contre des captifs. Mais avant de partir, continue-t-il, ils ont aussi laissé beaucoup d'or aux assurances qui en ont donné à d'autres assurances. Si le bateau coule avec son chargement, tout sera remboursé et tout pourra recommencer. C'est de la magie, je vous dis. Voilà, le récit est par Poussin d'une petite partie de ce commerce. Oui, c'est vraiment une partie, tout à coup, ayant raconté au plus près, au ras du pont, du bateau, tout ce qui se passait, j'ai ressenti le besoin de ces... toujours dans la première partie du premier tome, de raconter, d'expliquer. Et alors comment expliquer ça sans faire le narrateur savant, parce que ça n'a aucun intérêt. Et que donc c'est raconté par ce charpentier qui a été longtemps, même s'il a abandonné depuis des années ces bateaux-là et qu'il est de retour. Il connaît par cœur et il en est revenu d'ailleurs dans tous les sens du terme de ses voyages triangulaires là, autour de l'Atlantique, et il le raconte. Et là c'est vraiment en fait un peu, il leur fait un peu une leçon d'économie sur ce principe qui date d'ailleurs de bien avant même le 18e, qui est cette idée que l'or du royaume ne doit pas sortir. Et donc il sort sous forme d'investissement, d'objets manufacturés, puis il se transforme en objet. Mais il se transforme en or seulement quand il arrive. C'est la règle un peu, c'est Colbert qui avait fixé cette règle, donc bien avant. Donc. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension pédagogique. Je m'en défends souvent parce que je veux surtout raconter la trajectoire d'un personnage. Et peut-être pour ce livre, et vraiment, c'est très particulier à ce livre, aussi faire mémoire de ses vies. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, je viens de vous parler de toute la documentation. Pas une source dans toutes celles que je vous ai citées est rédigée par un esclave ou par une victime, par une... Et ça, c'est bouleversant quand on travaille sur ce sujet. C'est qu'on ne travaille que sur les livres de contes des capitaines ou des planteurs. On travaille sur les livres d'histoire écrits essentiellement par des historiens blancs. On travaille sur, même le fonctionnement d'une sucrerie à Saint-Domingue. Je me plonge dans des plans faits par des... Alors si, ça peut être tiré de l'encyclopédie, mais où il n'y a pas que des gens éclairés. Ça dépend vraiment des chapitres, c'est très intéressant dans l'encyclopédie. Vraiment, il y a des aspects... Sur l'esclavage, il y a des points de vue très, très, très différents. Il y a des points de vue un peu, justement, des lumières, de temps en temps. L'entrée population, là, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a rédigé, mais là, en fait, là, il y a une dénonciation de l'esclavage, mais de temps en temps, il y a des entrées très, très, très rudes, et pas du tout, et plutôt, voilà, pas du tout dans l'esprit des Lumières. Donc, j'ai ce manque-là, c'est vrai, dont j'ai pas parlé en parlant de mes sources. Il y a 4 ou 5 récits, en fait, publiés, pour parler, en tout cas, je parle de ceux qui ont raconté la traversée, y compris la partie africaine. Ensuite, il y a des récits d'esclaves,
par exemple, 12 Years a Slave, voilà, c'est un récit fait par un esclave, mais né sur le continent américain. Mais je crois, il n'y en a pas un seul en français, d'ailleurs, pas un seul en français de récit fait par un esclave. Il y en a en anglais, 3 ou 4. Il y a celui fait par Equiano, un esclave qui l'a écrit, qui raconte vraiment comment il est pris dans le village de son enfance en Afrique et qui raconte la traversée. C'est très précieux, mais c'est quand même impressionnant. Sur, je vous ai dit, 14 millions de personnes déportées, transportées vers l'Amérique et arrachées à l'Afrique. 4 récits simplement qui sont encore là. Et moi, c'est vrai que j'écris ce livre dans ce grand silence de toutes ces victimes. Et ça rend ça assez bouleversant à des moments de ma démarche, voilà, d'être un peu hyper modestement, mais aussi pour les enfants, c'est ça qui, même si c'est lu aussi par des adultes, là j'étais à Villeurbanne ce week-end pour la fête du livre jeunesse, qui est un moment extraordinaire qui fait la ville de Villeurbanne qui organise ça. Et vraiment de voir des enfants de 12 ou 13 ans qui se plongent dans cette aventure et qui en redemandent et qui voient bien que c'est pas qu'une aventure, justement. Et qui voient que. Qui le lisent en se disant, en croyant lire une histoire, et puis qui découvrent autre chose. C'est un peu le rôle de mon personnage de Joseph, qui part à la recherche d'un trésor et qui découvre autre chose sur le bateau. Merci. Il y a beaucoup de choses dans votre réponse, où on pourrait reprendre. Mais peut-être une des choses qui est frappante, je parlais d'ambition du roman qui est de décrire un monde, et ça passe par le fait justement qu'il n'y a pas un seul personnage, même s'il y a une héroïne éponyme, mais une grande quantité de protagonistes, le charpentier, on en a parlé, Joseph Mars. Une princesse africaine, la fille du propriétaire du bateau, une captive, un abolitionniste anglais, et ce sont des personnages qu'on suit plus ou moins. Alors justement, dans le rapport au récit d'aventure, là il y a quelque chose qui est peut-être plus... Est-ce qu'on risque pas de... Comment fait le romancier avec ces personnages pour à la fois tout tenir, multiplier les points de vue, ne pas perdre le lecteur en route? Alors évidemment, pour nous, ça renvoie aussi au grand roman populaire. Dumas aussi aime prendre différents personnages, le Hugo des Misérables, le Ponson du Terrail... Vous lisez ça d'ailleurs, Dumas par exemple, oui, je l'ai vraiment dévoré, et surtout j'ai en moi le souvenir de la dernière page du Comte de Monte Cristo que je termine et du désespoir de penser que plus jamais je le lirai pour la première fois, et je pense que je me mets à l'écriture en pensant à ça, en ayant envie de créer, c'est un petit côté sadique, en ayant envie de créer cet effet-là sur le lecteur qui terminera l'histoire. Et c'est vrai, c'est le côté feuilletoniste, vraiment, en effet, voilà, Eugène Sue, ou effectivement Hugo, dans pas mal de... Enfin, il y a toute une veine de Hugo qui est comme ça aussi. Oui, c'est un peu... Alors, ce qui est étonnant, c'est que je viens, moi, du théâtre, et d'un théâtre assez pointu, enfin, théâtre comme contemporain, avec vraiment un grand C, très fier de l'être, donc un peu pour les happy few. J'écrivais, jeune auteur, à 20 ans, des pièces, et moins il y avait de monde, et plus il y avait de gens qui sortaient de la salle. Pendant la représentation, plus j'étais content, plus, et donc c'est très, et mais j'étais lecteur
Donc je viens plutôt, j'aime les stylistes a priori. Et par exemple, Dumas est un styliste que je trouve un peu moyen, mais c'est un sacré, mais qu'est-ce qu'il y a comme souffle, un sacré conteur, vraiment. Hein. Mais c'est pas ça pendant un temps, c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Donc je cherchais des écritures, je cherchais la plastique de l'écriture. Et mon écriture s'est libérée un peu, à un moment d'ailleurs, pendant. J'avais lâché l'enseignement, parce que je vous ai dit que j'étais enseignant de lettres, je l'ai été si peu de temps que j'ai un peu honte d'avoir déserté comme ça. J'étais quelques années, j'ai enseigné 2-3 ans en région parisienne, puis 2 années au Vietnam aussi, à des jeunes profs vietnamiens. Et quand j'ai décidé, parce que je voulais écrire, donc j'ai senti qu'il fallait que je fasse le saut à un moment d'arrêter l'enseignement pour faire que ça, que peut-être je voulais tenter cette aventure-là. Et une des premières choses que j'ai faites en arrêtant d'enseigner, c'est d'accepter des commandes d'écriture, donc au kilomètre. Et entre autres, on m'avait demandé, c'était, je sais plus, l'éditeur, Fayard, je sais pas, qui m'avait demandé une version romanesque de la Bible, mais qui n'était même pas signée, qui était au kilomètre vraiment, et qui était payée à la page, donc je faisais plein de pages. Donc il y avait des exégètes qui travaillaient en amont, qui me prenaient, donc il y avait 365 chapitres à écrire. Et qui, d'abord, on était plein d'auteurs, et puis je les ai tous dégommés. Enfin, c'est pas moi, mais petit à petit, en fait, ils voulaient tout à coup qu'il y ait qu'une seule plume un peu pour tout ça. Ce truc n'a jamais été publié. J'essaie de le récupérer parce que c'est quand même un peu, c'est un peu surprenant comme entreprise. J'en ai écrit vraiment des centaines de pages. Et ça n'a jamais été publié parce que là. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont repéré, et comme depuis, j'ai fait un peu mon chemin. Voilà. Or, je veux le reprendre, mais le republier à ma façon, vraiment, le retravailler. Et là, je me souviens du choc de l'écriture libérée. J'écris tout à coup, c'était Ruth et Boaz, une scène de la Bible, donc tout à coup, voilà, il y a ce couple, et je me souviens, alors que je cherchais le chemin le moins fréquenté dans l'écriture, là tout à coup j'ai dit, la nuit était fleurie d'étoiles et odorante comme l'amandier, Ruth avança la main vers l'huile dégoulinante. Je me suis dit, mais quel bonheur de raconter simplement, de raconter et c'est devenu, j'écrivais du polar, j'écrivais tout ça tout à coup, et j'ai libéré mon écriture et j'ai rejoint finalement ce que j'aimais comme lecteur, même si je lisais aussi Beckett, mais je lisais, j'aimais ce qui était généreux et ce que j'essaie vraiment de faire, c'est un peu une écriture, un peu fusion de ces deux veines, c'est-à-dire quelque chose écrit, enfin, que j'espère un peu écrit, mais qui est aussi très raconté. Enfin, très. Donc, voilà. Et sur le roman d'aventure et le roman. Alors, c'est pas vraiment polyphonique, parce que j'espère qu'il n'y a qu'une seule voix. En fait, j'ai un peu de mal avec le roman à plusieurs voix, qui, pour le coup, quand l'écriture change trop, j'en sors. Alors là, je dis ça, je mets mon lecteur pourtant à rude épreuve en le faisant passer d'un personnage, en le faisant quitter un personnage, alors qu'il commence tout juste à peut-être, avec un peu de chance, s'attacher à un personnage, l'emmène ailleurs. Mais malgré tout, ce qui est commun, c'est l'auteur. Celui qui est toujours là et qui doit donner la main au lecteur, c'est l'auteur qui dit « t'inquiète pas ». On va le retrouver, là il y a un pacte hein, de lecture qui fait, on va le retrouver, mais il faut que je te parle de celui-là, là, et tu seras d'autant plus content de le retrouver. Enfin, il y a tout ça, le sous-texte qui dit ça, voilà, mais c'est un... Je progresse, hein, parce que, par exemple, je faisais Van Gogh, Toby, sont des romans en poupée russe, d'une complexité de construction au sens des... Il y a une très belle adaptation qui est en cours en animation de
série animée de Toby Lowness qui est en train d'être faite. Et il y a une équipe de... Ils s'y mettent à 6 pour essayer de remettre dans l'ordre. Il y a 6 scénaristes qui sont au travail. Enfin, là, ils ont fini le travail. Pour remettre dans l'ordre mes histoires qui sont des flashbacks. Ils me disent, mais tu fais parfois des flashbacks dans le flashback dans le flashback. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Et une des règles que je me suis fixée pour Emma, justement, c'était la chronologie. Et en principe, à part des petites exceptions, le récit des origines du peuple Oko, qui est un récit poétique fait dans le bateau, et là je reviens dans le passé, et puis des petites bulles de bonheur, comme on en parlait tout à l'heure, des souvenirs du passé, mais à part ça, j'essaie d'être chronologique. Donc déjà, petit à petit, le présent de l'indicatif, la chronologie, voilà, j'avance pour être plus de, mon rêve, c'est un rêve de clarté petit à petit. Encore une fois, je ne veux pas, s'il y a des questions, surtout manifestez-vous sans hésiter. Il y en a une. Ah ben voilà. Juste savoir au niveau de l'écriture, ça vous est venu comment? Est-ce que depuis tout petit vous vouliez devenir écrivain ou c'est en étant adulte vous avez eu? Alors oui, alors en fait, de ce que je... Ah oui, alors je répète la question pour est-ce que de ça vient. Comment est venue l'écriture? Est-ce que c'est depuis tout petit ou est-ce que c'est venu étant adulte? Ben, en fait, je savais si peu que ça pouvait être un métier, que c'était en tout cas pas devenir écrivain mon rêve. Mais écrire, ça, j'ai senti très très jeune que c'était quelque chose de, enfin, un pouvoir très 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 particulier qui agrandit la vie, qui prolonge, qui permet d'avoir des vies qu'on n'a pas, qui permet de... Enfin, j'ai senti, mais en apprenant à écrire, je ne sais même plus quand on apprend à écrire, en CP ou en CE1, j'ai appris à écrire et j'ai vu d'abord, et en apprenant à lire aussi, je me suis dit, si ce type qui écrit il y a 50 ans ou il y a 200 ans me parle au présent, là, dans ce qu'il écrit, eh ben, moi je peux faire la même chose par l'écriture. Et donc entre le lecteur et l'auteur, chez moi, il y a vraiment l'épaisseur du papier à cigarette, quelque chose de très 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 fin, c'est très proche. Donc c'est vrai que j'ai tout de suite vu le super pouvoir, oui, qu'il y avait dans l'écriture, et j'en ai... par contre, pas le roman, parce que le roman me paralysait, parce que c'est un objet fini. Et donc j'écrivais du théâtre, que je jouais d'abord avec mes frères et sœurs, on était suffisamment nombreux pour faire une troupe quasiment, et puis ensuite une troupe lycéenne que j'ai créée, ou même au collège, et puis des amis, et puis j'ai continué, alors que petit à petit ils me lâchaient, parce qu'ils grandissaient, ils avaient dit, voilà, je voulais faire un métier sérieux, et il n'était pas question de continuer ces jeux d'enfant. Et donc peut-être ma seule originalité, c'est d'avoir continué. Et en continuant, on progresse. Et l'écriture devient un savoir-faire, alors que j'avais l'impression de choisir une activité qui était spécialement difficile à... C'est pas un savoir-faire. Autant un pianiste, il se met au piano, on comprend qu'il est pianiste tout de suite. Un plombier... vient chez vous, vous comprenez, soit vous, ou alors c'est un mauvais plombier, mais sinon vous comprenez, vous savez, là un auteur, on sait tous écrire, quelle est ma compétence, est-ce qu'il y a vraiment une compétence? Et là, petit à petit, je vois qu'il y a quand même un peu un savoir-faire dans l'écriture, il y a un artisanat en fait aussi qui vient. Donc voilà comment est venue l'écriture, mais c'est le fait que ce soit à la croisée de tellement de choses, c'est-à-dire je construis des maisons en étant auteur, c'est-à-dire en décrivant la maison de la famille d'Alma dans cette vallée. Je suis paysagiste, je suis éclairagiste, je suis... Donc il y a quelque chose de très large. J'allais aussi demander si vous aviez d'autres passions que l'écriture, donc il y a le théâtre.
Oui, il y a le théâtre, c'est vraiment par le théâtre que l'écriture est venue. Dans la distribution des rôles dans la troupe, il y en a l'un qui voulait être, qui faisait plutôt justement les costumes, l'autre qui jouait, l'autre, et moi très vite, on me disait tu écris l'histoire. Donc ouais, le théâtre, et en fait plein de choses que il y a beaucoup de bouffe et de cuisine dans mes livres, parce que je suis fou, j'aurais pu choisir d'être cuisinier, j'ai une passion pour la cuisine. J'ai une passion, je parlais de paysagiste. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai un peu mis mes frères et sœurs dans des métiers que j'aurais pu faire, justement, tellement j'ai envie. C'est vie par procuration, je le fais presque. J'ai un frère dans le paysagiste, hein, plutôt dans l'hôtellerie, qui est un domaine qui m'intéresse, un autre journaliste. Donc, c'est vrai que tout c'est. J'ai quand même. Mais j'ai l'impression de me servir de tout ça dans mon c'est le vivier un peu de mes histoires aussi. On avait aussi une série de questions à vous poser sur. La question que je vais poser, c'est une question de lectrice d'œuvres du XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, Alma, c'est un roman qui parle du XVIIIe siècle, mais dans lequel. On a retrouvé quand même un certain nombre d'échos à des, soit des formes littéraires, soit des textes littéraires importants au XVIIIe siècle. Ça commence par une espèce d'utopie. Mais voilà, il y a aussi vraiment des références à des œuvres du XVIIIe siècle, des références à Beaumarchais, aux opéras bergolaises. Alors voilà, il y a même à certains endroits presque des échos. Je pensais notamment l'extrait numéro 3 qu'on pourrait peut-être lire, qui est très court, qui est un extrait du tome 1. Oui. Tout ce malheur pour un peu de café, de confiture et de chocolat à l'heure du goûter. Pour cette folie du sucre qui a envahi les salons d'Europe. Cette année, la colonie de Saint-Domingue engloutira à elle seule 40 000 nouveaux captifs dans ses plantations. Oui, et ça nous a immédiatement fait penser à cette phrase de Candide. Voilà, quand Candide rencontre un esclave qui lui décrit sa condition d'esclave et qui dit notamment « On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvée dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe », avec cette phrase ultra, ultra célèbre. Voilà, donc, question, quel texte ou œuvre du XVIIIe siècle est-ce que vous avez fréquenté? Est-ce qu'il y en a que vous avez relu pour écrire Alma? Et est-ce qu'on... Voilà, il y a un certain nombre d'échos qu'on peut trouver dans le roman. Alors, finalement, beaucoup le théâtre. Alors, oui, en effet... alors, les philosophes ou les penseurs ou les voilà, du 18e et de la Révolution aussi. D'ailleurs, je parle de Mirabeau aussi à un moment. Là, je me plonge beaucoup dans le personnage de Mirabeau, qui est vraiment un personnage qui m'impressionne. Mais beaucoup le théâtre, en fait. Beaucoup le théâtre qui, quand même, est... Alors que je crois, je me souviens pas l'avoir relu... mais comme je suis fou de théâtre, je vais beaucoup, beaucoup au théâtre, donc j'ai dû revoir certainement des Marivaux, des Beaumarchais, des... voilà, et je pense aussi à la peinture aussi, d'ailleurs François Place aussi s'est plongé dans les dessins, pour les, il y a donc des illustrations pleines pages de temps en temps. Donc oui, je pense que j'ai... j'ai une teinture de tout ça. Je ne crois pas avoir consulté spécialement pour ce livre les auteurs du 18e. Mais, par exemple, il y a le récit de cette représentation au théâtre de Rochefort d'un opéra, opérette, opéra. Là,
Je pense, c'est vrai que là, je me suis vraiment plongé dans la représentation, dans ce qu'est la représentation à ce moment-là. Ou alors, et puis, c'est ce qui se passe en même temps. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est le moment où Beaumarchais fait... il y a tous les soirs des centaines et des milliers de personnes qui sont refusées à des représentations de Beaumarchais. Je raconte comment la reine est privée d'une représentation parce qu'on a découvert qu'il y avait une sorte de dénonciation du roi et de la reine ou de la monarchie dans une pièce, et elle est privée. C'est vrai, je me plonge dans l'histoire du théâtre. Et puis, j'ai un peu la musique quand même de la langue du 18e, je crois, dans l'oreille pour faire des échos. Parce que de temps en temps, c'est plutôt un peu plutôt justement de l'écriture plus tardive, plutôt du 19e, la manière de raconter, il y a quelque chose qui... Et puis, mais c'est par des petits détails qu'on revient tout à coup dans l'époque. Voilà, mais c'est un... forcément, et de plus en plus d'ailleurs, en avançant dans cette histoire, je me rends compte de ce bouillon de culture de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle en particulier, qui est quand même une matrice de... Enfin, je fais pas la pub du 18e parce que je suis dans le cadre de vos cours là, mais qui est une matrice pour moi, de la modernité, enfin, la modernité politique, la modernité du récit, Candide, il y a un vrai humour, et j'espère que moi j'essaie, c'était un des défis en écrivant, c'est-à-dire... Je voyais toutes les horreurs que j'allais devoir raconter. Je dis, mais il faut de la légèreté, il faut de l'humour à des moments. Donc heureusement, il y a des personnages qui m'aident à ça. Je pense quand même qu'il y a des échos de tout ça. Justement, sur cette fin du XVIIIe siècle, moi j'avais pensé à d'autres références aussi, comme Paul et Virginie, par exemple, 1788, où on est à la fois dans le contraste entre l'île heureuse et le monde mauvais, la représentation du monde exotique, et il y a comme ça une sorte de culture qui... Sur une autre île, plutôt du côté... Bien sûr, oui. Et aussi des images, est-ce que des images vous nourrissent? Le roman est très bien illustré, on l'a dit tout à l'heure. Oui, j'essaie de... Parce que cette tradition du livre illustré, elle est très 18e. Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est plutôt le roman jeunesse, mais XIXe siècle. Oui, mais c'était un moment où on osait illustrer des livres pour les adultes, n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose de... C'est la chance que j'ai d'être dans cette planque-là, qui est la littérature jeunesse, qui est lue vraiment, je crois sincèrement que... La moitié de mes lecteurs sont des adultes qui s'encanaillent à lire ces histoires-là. Aussi une grande partie de mes lecteurs, ou des jeunes adultes. Et en effet, les images, alors, toutes sortes d'images d'ailleurs, mais c'est vrai que je vis autour des images. Je pense en particulier, j'ai tout à coup sur le nom de ce peintre qui, dans les années un petit peu avant plutôt des années 1770, a peint le Pont Neuf sous toutes les coutures. Vraiment, il a peint, il y a au moins une douzaine de tableaux. Et c'est beaucoup à cause de ce peintre-là que j'ai choisi de faire une scène clé, très importante, je ne décris pas, à Paris, sur le Pont Neuf, au bout de l'île de la Cité, parce que j'avais comme une vue en drone du Pont Neuf dans ces années-là, qui me permettait d'être d'une précision totale. J'avais sous les yeux des reproductions
que de tous ces tableaux qu'il a fait à des angles très très différents, venant du quai quai de la Mégisserie, là, avec la pompe de la Samaritaine qui était là, un autre venant, le quai qu'on appelait à ce moment-là le quai des morts fondus, parce qu'il était, il faisait un froid de gueux, du vent du nord qui s'engouffrait à cet endroit. Donc là, je partais de ces tableaux, je pouvais voir les bateaux lavoirs de l'autre côté, et la narration venait de l'observation de tous ces tableaux. On voyait le Louvre au bout, et oui, pour ce genre de scène, l'imagerie disponible a été décisive. En dehors du fait que je pense que j'ai demandé ma femme en mariage sur ce pont il y a 25 ans. Enfin, il y a toujours des raisons aussi un peu plus personnelles. C'est un lieu central dans. Enfin, cette île est un peu centrale. D'ailleurs, Van Gogh démarre de l'autre côté de l'île, à Notre-Dame, dans la tour sud de Notre-Dame. Mais en fait, vous avez dit que vous étiez plus inspiré du design, enfin, de l'écriture de l'humanité. Et justement, au 19e siècle, c'est, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand courant de romans d'aventure géographiques qui sont situés au XVIIIe siècle, donc est-ce que vous avez des références Alors au XIXe siècle, justement, alors j'ai lu un petit peu, je pense tout d'un coup, même au début du XXe, Zévaco par exemple, enfin ces romans de KPDP qui reprennent un peu le conte de les Trois Mousquetaires, justement, un peu dans cet univers-là, les Pardaillans, donc vraiment romans populaires qui, comme Dumas, qui publiait dans le journal Le Siècle tous les matins et savait pas très bien ce qu'il allait publier le lendemain et avançait comme ça. J'essaie de me recréer un peu cet esprit-là, même si je suis plus angoissé que lui, je pense, donc j'ai besoin de construire, de tirer mes fils, bon, beaucoup plus que lui. Mais sans vouloir, c'est la première fois que je me compare comme ça, en disant oui, Dumas et moi, ça pourrait être un titre de mes mémoires, ça. et le 19e, finalement, comme lecteur, je suis plus lecteur, à nouveau, plutôt des stylistes, à vrai dire, de Flaubert. Par exemple, je suis vraiment fou de Flaubert. Je suis plutôt, mais passionné par le côté comédie humaine aussi, de ces personnages qui reviennent. Et je m'amuse avec ça là-dedans. C'est la première fois que j'écris trois volumes, normalement c'est plutôt deux volumes, mais mon petit côté binaire, là. J'ouvre, je referme, je commence, je termine. Je découvre je n'ai jamais fait d'ailleurs des dissertations en trois parties, je ne sais pas comment on fait. Il est temps. Il est temps, et là je m'y mets, et ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai eu par exemple ce volume du milieu, qui est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que c'est... Ça veut dire continuer à nouer des choses, mais en dénouer certaines, mais pas trop. Enfin, il y a cette structure-là qui... Et Balzac, par exemple, j'adore voir un personnage, une ombre, une sorte de... Je sais plus, c'est un nom au cinéma, là, ces personnages qu'on voit juste à un moment apparaître, et puis qui vont être... tout à coup gonflé dans un et devenir les héros d'un autre, et ben c'est un peu la même chose. J'essaye de semer des personnages, par exemple dans le tome 2 il y a le personnage de Mozi qui est le père d'Alma, que je mets complètement de côté pour le retrouver à fond dans le troisième tome, mais qui réapparaît quand même à la fin du deuxième tome pour bien dire vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Et donc j'ai cette, et là c'est vrai pour beaucoup de mes romans, parce que pour Toby il y a donc ce projet là de
les scénaristes, ils ont fait une galerie des personnages. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors parfois, ils en prennent trois, ils les collent, ils en font qu'un. Ils prennent d'autres fois, ils font survivre un personnage que moi, j'assassine dès le début. Enfin bon, c'est vrai que l'adaptation, il y a des cruautés de l'adaptation. Mais voilà, mais pour... j'ai un peu des envies de découvrir d'autres romanciers. Par exemple, c'est vrai que Eugène Sue, je connais très très mal, très très mal. Les Mystères de Paris ou les... Merci. Oui, c'était surtout à propos des... Enfin, des romans d'aventure du 19e siècle, c'est pas du tout une inspiration pour vous, parce qu'il y a quand même vraiment la question de la piraterie. Alors Stevenson, ou non. Un peu, mais pas tant que ça. Les romans anglais ou les romans. Pas beaucoup. À part des traces. Je suis sûr des traces de l'éponge que je suis et du jeune lecteur que j'étais. Et j'en suis sûr parce que quand je retrouve. Mais alors, c'est pas le 19e, mais c'est un peu à la façon du 19e. Les clients du Bon Chien Jaune, ou Macorlan, ou quand j'ai lu aussi L'île au trésor, je vois que je peux pas croire qu'il y en a pas des traces dans mes histoires. Vous parliez de la multiplicité des personnages et de l'écriture du tome 3, et justement dans les romanciers que vous venez de citer, souvent ils se laissent surprendre par les personnes, c'est-à-dire ils n'ont pas toujours prévu la suite. Et alors que vous êtes en train d'écrire le troisième volume, on se demande est-ce que vous avez tout prévu ou est-ce que vous vous laissez surprendre par un personnage qui prend plus d'importance qu'il n'en avait à l'origine ou qui... Oui. Ou est-ce que tout est déjà alors, bien calibré? Je me rassure en ayant des grands cahiers avec des plans, des cartographies sur l'itinéraire des personnages, parce qu'il y a aussi la lenteur des déplacements qui permet de laisser pendant que l'un voyage, je peux aller voir l'autre pendant. Ça, c'est quelque chose de très particulier de ce temps-là, même par rapport à Van Gogh, dans lequel il y a il peut partir du lac de Constance en dirigeable un matin et trois jours après arriver à Pernambuco au Brésil ou à Rio simplement en volant jour et nuit à des vitesses raisonnables de 100-130 km/h. C'est ça, là il y a vraiment le monde tout à coup au début du 20e, ce monde se réduit énormément, alors surtout dans cette petite parenthèse des dirigeables où on faisait ses vols mais en écoutant jouer au piano avec un piano en aluminium pour qu'il soit plus léger et en buvant du champagne. Donc là, j'ai des trajets qui sont beaucoup plus longs, mais j'ai une tendance à prévoir pour prendre des chemins de traverse en fait et me laisser avoir. Il y a un exemple dans le tome 2 qui m'a ajouté trois chapitres et qui n'était pas prévu, parce que je fais toujours un effet entre les parties d'un livre. Quitte à être dans le rythme à trois temps, je l'ai fait aussi à l'intérieur de chaque volume, avec trois parties dans chacun des volumes. Et il y a une sorte d'accélération, c'est-à-dire il y a moins de chapitres dans la dernière partie que dans la deuxième, que dans le premier, qui est un effet pour qu'on se dise mais ça va de plus en plus vite, mais oui, simplement parce qu'il y a moins de chapitres, mais peu importe, c'est des petites ruses comme ça de construction géométrique, comme les peintres là qui augmentent, ou plutôt les architectes qui augmentent les systèmes de perspective pour donner l'impression de l'immensité, ou au contraire réduire, rendre moins intimidant un espace. Et donc il y a toute cette construction là qui me tient quand même, qui m'empêche de faire bouger beaucoup de choses, mais je me laisse avoir. Par exemple, dans le tome 2, j'avais un bateau, mon bateau, qui à un moment se retrouvait
devait se retrouver entre l'île de Wight et la ville de Portsmouth, donc dans le sud de l'Angleterre, sur un banc de sable qui me paraissait idéal, que j'avais repéré quasiment sur Google Earth, quoi, vraiment, et qui était idéal par rapport au fait que mon bateau était parti de Honfleur et la verticale, etc. Et qu'il fallait qu'il c'était que 3 sur le navire, ou 4, donc il fallait peu de manier les voiles, on ne pouvait pas manipuler beaucoup les voiles, il devait se laisser. Donc j'ai pris, je suis arrivé là. Et je me plonge dans comment c'est à ce moment-là exactement, ce banc de sable à cet endroit. Et je découvre que à ce moment-là précis, entre novembre 1786 et mai 1787, l'endroit où j'avais mis pour être bien tranquille mon bateau, qui devenait une ruine, enfin qui devait être mis comme une épave là, et puis être un lieu de marchandage, de choses et tout ça, de vente de matériel, mais complètement le plus discret possible, de manière clandestine, je découvre qu'il y a 11 navires qui sont là. À ce moment-là, 11 énormes navires qui appartiennent à la flotte anglaise, dans lequel il y a en tout 500 bagnards pris dans tous les bagnes d'Angleterre, Londres et puis Southampton et partout autour, et qui attendent de partir coloniser l'Australie avec ces 600 bagnards et 600 soldats qui partent là. Et ça manque, mais c'était la catastrophe complète parce que j'avais besoin de tranquillité. Il devait être là. J'avais choisi aussi cet endroit parce qu'il y a quelques bagnes qui étaient là. Et j'avais deux personnages dont je devais absolument me débarrasser pour 2 ou 3 ans. Enfin, pour 2 ou 3 ans dans mon histoire. Et là, je me dis, bon, bah, non. Et je me plonge dans l'histoire de ce qu'on appelait la First Fleet, ces navires-là, ces 11 navires qui sont partis avec que des bagnards, pas des bagnards qui tous avaient 7 ans de condamnation, parce qu'il ne fallait pas des gens trop dangereux pour que ça s'entretue, et il fallait une longueur suffisamment grande, quand même, de peine pour justifier de les emmener au bout du monde. Et je découvre que toutes ces familles-là existent encore en Australie, sont et je me dis, eh ben non, je ne peux pas laisser, tant pis. Au début je me suis dit, je vais juste faire comme s'ils n'étaient pas là, enfin, ou dire qu'ils étaient là, mais non, il faut que je m'en serve. Et donc je fais en sorte, plutôt que de mettre mes deux personnages dont je devais me débarrasser dans un bagne voisin, je les mets je les fais embarquer sur ce navire. Mais une fois embarqué sur ce navire, je suis pris, je suis fichu, c'est-à-dire je me plonge dans l'histoire de cette First Fleet, je découvre qu'arrivé dans la Botany Bay, là, cette baie qui était censée être le début de cette colonie anglaise, la colonisation de l'Australie, je découvre qu'au moment où ils vont changer de baie, parce qu'au bout de 3 jours, ils se retrouvent avec un bateau français qui est là, et c'est la Pérouse. Ils sont au bout du monde, il n'y a pas, enfin, dans des endroits complètement inexplorés, enfin, il y a juste le capitaine Cook qui est venu il y a 10 ou 15 ans, et là, il y a un bateau français. Et là, je me plonge dans la Pérouse. Je lis le journal de la Pérouse, je découvre cette expédition autour du monde, très différente, une vision de découverte du monde tout autour et puis surtout la fatalité. Et donc je suis obligé de raconter, et voilà, j'ai fait tenir ça en 2-3 chapitres, je crois, c'était pas du tout prévu au programme. Justement, on avait un extrait sur la Pérouse. Est-ce que vous voudriez bien lire l'extrait numéro 2, je crois? Oui. C'est un des rares endroits où vous vous permettez une aparté d'auteur, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est vrai. Ah, tout à fait. À un moment, je ne sais pas si c'est là dans l'extrait, peut-être pas. Je vous le dis, on en parlera après, peut-être. Jacques Poussin n'était pas en France pendant l'été 1785, quand tout le monde parlait de l'extraordinaire expédition qui se préparait. Il ne sait pas ce qu'ont vécu ensuite les 250 aventuriers embarqués sur les deux navires. Mais il y a autre chose que Jacques Poussin ne sait pas. Et voilà, c'est là.
et que personne au monde ne sait, parce qu'il est interdit de savoir ce qui n'a pas encore eu lieu. Et même aujourd'hui, on voudrait se pencher depuis l'avenir pour ordonner à Poussin de se jeter à la mer et de s'enfuir de ce navire. Car lorsque les Anglais serreront la main de Jean-François de la Pérouse, quand les matelots de l'Astrolabe et de la Boussole arracheront les ancres au sable gris de Botany Bay, les deux frégates s'éloigneront et disparaîtront à jamais, sans que plus personne ne sache ce qui est arrivé au bon général et à son armée de savants, d'artistes et de marins. Et ça, mais c'est des moments presque un peu émouvants pour un auteur de se dire, voilà, mais on a l'impression qu'on sait, on sait quelque chose qui ne sait pas, on fait vivre ce bateau, ils disent adieu, ils laissent le journal aux Anglais qui vont repartir avec certains bateaux vers l'Angleterre, et en fait, c'est leur dernière escale connue, et à quand même 2 ou 3 000 km de là, plus au nord, le bateau va disparaître et tout le monde va disparaître. Et or, j'ai besoin de le dire, ça c'est le raconteur qui a besoin de le dire, parce que notre personnage, justement le personnage que j'avais mis là pour m'en débarrasser, je le fais s'enfuir du bagne de anglais pour venir dans ce bateau. Et il arrive, il a vu passer ce pavillon français, et il arrive là, et ça y est, il est dans un bateau français, il est sauvé. Et ça paraît... donc c'est aussi là, c'est pas simplement la coquetterie de pouvoir juste voir ce rapport qu'on a au passé en tant que habitant du futur, mais c'est aussi pour la narration. Je veux montrer que, alors qu'il y a un grand soulagement du lecteur qui ne sait pas exactement à quel moment peut-être l'astrolabe et la boussole ont péri, il y a un soulagement, ça y est, il a réussi à s'échapper, il est là, il est planqué dans les soutes de ce navire. Et or, c'est le dernier endroit où il fallait se cacher parce que le bateau va disparaître. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment le plaisir de raconter quand on est dans ce genre. Et ça, on peut pas, même si c'est pas prévu au programme, on peut pas résister. Oui. Oui, on voit à quel point l'histoire et la fiction, enfin, l'histoire rattrape la fiction, etc. Moi, j'aurais voulu rebondir sur la question d'Audrey Follot au départ, sur la documentation. À quel moment est-ce qu'on s'est assez documenté pour que l'imagination ensuite puisse partir dans l'invention? Est-ce qu'il n'y a pas un poids aussi de la documentation? Et puis une deuxième question, enfin voilà, je vous laisse choisir. Qu'est-ce que le roman peut apporter sur l'histoire qu'un livre d'histoire, une documentation historique n'apportera pas, en fait? Qu'est-ce que vous avez l'impression de saisir du XVIIIe siècle et de transmettre au lecteur par ce biais-là? Deux vastes questions. La première sur l'embarras de cette valise de documents avec laquelle je me suis baladé, par exemple, pendant l'écriture. Il faut absolument s'en débarrasser à un moment. Il faut vraiment être que à raconter notre histoire. Là c'est vrai que comme on parle du XVIIIe siècle, ça prend une importance assez grande, même dans les extraits que je lis. Mais je veux être d'abord avec mes personnages, parce que sinon, de toute façon, et c'est un peu une réponse à la deuxième question aussi, sinon mon lecteur n'est plus là. C'est-à-dire mon lecteur n'est pas un lecteur de livres d'histoire. Moi je voulais toucher des gens qui ne sont pas passionnés par la question de l'esclavage, par l'histoire, par les histoires de bateaux. Et au contraire, je veux surtout, moi-même, j'ai vraiment dans les navires trop... dans les bateaux trop, qui parlent trop de navires, avec tout le jargon du bateau. Moi, je m'essouffle complètement. Je veux toujours expliquer. Par exemple, j'ai pris les unités de mesure modernes, sauf quand elles sont juste poétiques. Mais je voulais dire qu'il y avait 3 captifs par mètre carré dans le pont inférieur du bateau.
même si le maître n'apparaît que quelques temps plus tard. Quand on a édité, il y a toujours des correcteurs qui s'emparent du livre à un moment et qui viennent dire, et qui sont trop contents de dire « Non, 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 le maître, on ne peut pas, ou le kilo, ou le... » Alors, je suis désolé, j'ai besoin de dire une 4 tonnes et demie d'or pur, par exemple, pour le trésor, ou de dire, en effet, 3 esclaves, pour qu'on puisse se demander comment, dans un mètre carré, pendant 3, 6, 1, 6 mois, 12 mois de traversée, on peut vivre, comment on peut vivre comme ça, dans le fond d'un bateau. Voilà, donc sur la première question, c'est très... par exemple, je n'ai jamais mes livres ouverts, c'est des temps différents. Il y a le temps de l'écriture et il y a le temps de la documentation. Quand on décide de lâcher, de s'autoriser à écrire, c'est quand on... En fait, et ça, c'est que en lisant des auteurs différents, des historiens différents, des documents différents, et en les croisant, qu'on a ce treillis, là, ce tissu assez serré pour pouvoir tenir dessus, pour pouvoir se déplacer, être... J'avais trouvé cette image il n'y a pas longtemps, là, d'idée de, que de toute façon, je serais aveugle pour parler de ce temps-là. Je suis comme un aveugle, mais je veux être un aveugle dans une maison familière, dans une maison où je peux, comme ça, comme on voit de temps en temps, je sais plus, c'est dans la Grande Évasion, on voit le type qui fait semblant, qui dit « Mais si, je vois très bien !» Il dit « Tu vois la pièce qui est là ?» Et en fait, il l'a posée avant, il compte les 3 pas, et il va ramasser le... Et là, je veux faire illusion. Donc, il y a un moment, je pense à ça, parce que j'ai eu ça pendant il y a quelques mois, autour de la Révolution, j'ai essayé de comprendre, alors que j'ai quelques chapitres qui se passent dans la Révolution, dans le tome 3, mais comprendre exactement l'atmosphère dans les rues, où c'est vrai pour Versailles, par exemple. Versailles, j'ai un chapitre ou 2 chapitres à la fin du tome 2 qui se passent à Versailles, et il y a une phrase qui est dite par Marie-Antoinette, et j'ai lu 3 biographies de Marie-Antoinette, par exemple, et puis elle dit... C'est que pour... Là, c'est vraiment... Je vous le dis là parce que c'est notre sujet, mais je ne m'en vanterai pas parce que je m'en suis servi tellement peu de choses. Mais je veux savoir, là, on est en mai 1789 à Versailles, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste ça, en fait. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive en mai 1789 à Versailles, pendant il y a les états généraux, il y a ce moulin qui est Versailles, un dimanche soir, c'est le grand couvert, tout le monde a le droit de venir assister au repas du roi et de la reine, enfin tout le monde, il y a une sorte de, comment on appelle ça dans les boîtes de nuit, là, le type qui dit oui, non, voilà, il y a vraiment ça de manière très arbitraire, et donc c'est ça, c'est sentir les ambiances, donc il y a un moment je le sens, que je suis assez... Et puis, je vais après aller voir des petits détails. Pendant l'écriture, ça peut m'arriver d'avoir un petit détail de quelque chose qui me manque. Des petits détails. Et puis, oui, j'ai répondu en fait aussi à la deuxième partie. Moi, j'aimerais bien enchaîner sur les choix d'écriture, parce que vous avez mentionné justement l'importance de la narration, l'accès aux pensées des personnages. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappée en lisant Alma, et puis parce que je pense que ça touche aussi à la question de la représentation littéraire de la traite. J'aimerais qu'on vienne un peu sur la notion de fiction, comment écrire une fiction qui parle de certaines choses sans parler à la place de ce qu'on évoque, et sur la façon dont vous utilisez de façon très intéressante votre narrateur omniscient, puisque ce narrateur omniscient, il est capable de s'introduire dans les pensées d'un personnage, que ce soit un captif, un marchand d'esclaves, un propriétaire d'esclaves, ou même un spectateur extérieur, ce qui est souvent le cas de Joseph Mars. Ça multiplie vraiment les points de vue, et c'est aussi un narrateur qui peut se placer en surplomb pour commenter les événements, qui est parfois même ironique, critique. C'est un fonctionnement narratif qui est vraiment intéressant parce qu'il permet d'éviter il permet d'éviter à la fois l'écueil de la leçon didactique et le relatif confort d'un point de vue extérieur,
tout en évitant aussi l'écueil d'une narration exclusivement interne qui inviterait le lecteur à s'identifier à tel personnage. Voilà, j'avais des exemples un petit peu frappants pour faire un petit peu découvrir ça, mais par exemple dans le tome 1, on découvre vraiment très progressivement la réalité des captifs au moment où ils sont arrachés à leur terre. C'est d'abord Joseph qui en entend parler par Poussin. Poussin, et il répond à Poussin « je sais », et le narrateur ajoute « mais il sait bien qu'il ne sait pas vraiment ». Et ensuite, c'est le narrateur omniscient qui nous décrit Joseph regardant la longue marche des captifs vers le bateau. Et le narrateur nous dit, voilà, depuis le début, Joseph s'est promis que rien ne l'atteindrait, les captifs, les nègres, les pièces d'Inde. Il connaît tous ces mots sans vouloir penser à ce qu'il renferme. Plusieurs fois, quand il parlait avec Jacques Poussin, l'enveloppe de ces mots s'est fendue. Mais cette fois, elle tombe en poussière. C'est des passages où on a aussi accès, parfois juste après, au point de vue déshumanisant de Gardel, hein, qui est le capitaine du bateau. Et enfin, il y a vraiment ce chapitre très marquant où le narrateur omniscient montre les captifs en surplomb, et puis peu à peu vraiment rentre dans l'esprit des captifs et se place du point de vue des captifs pour décrire leurs propres impressions au moment de voir s'effacer la côte africaine. Donc voilà, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi pour le sujet de la traite ce narrateur omniscient, et comment vous faites fonctionner ce narrateur omniscient entre le surplomb et l'introspection dans vraiment ce kaléidoscope de points de vue particuliers. Et puis peut-être qu'on pourra lire un extrait, voilà, qui montre vraiment ce travail du narrateur omniscient. Est-ce que vous voulez répondre d'abord et oui, peut-être pour... alors là, c'est on fait avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire, quand on écrit une histoire comme ça. Et là, j'ai l'impression d'être un bricoleur, quoi, sur tout ça, ne pas avoir vraiment de théorie sur mon j'ai. Il me faut pour c'est si compliqué à raconter qu'il me faut une liberté totale et faire feu de tout bois et me servir et en effet être parfois en surplomb. Parfois ironique, parfois et souvent faire semblant de ne pas savoir quelque chose, enfin être dans l'ignorance de quelque chose que avec les personnages, cacher des choses, en dire, justement annoncer le naufrage d'un navire à l'avant. Il y a, je crois que là la règle c'est une sorte de liberté et de plasticité du point de vue du narrateur qui. Alors, je me disais en vous écoutant là, si c'est vraiment Alma qui a de la nécessité, je crois que Alma a développé encore plus tous les outils que j'ai dû utiliser pour pouvoir raconter cette histoire. Mais je me souviens même très précisément du moment où, pour Toby Loness, mon premier roman, j'ai décidé ça quand même. J'ai décidé. À un moment, j'avais écrit la première personne, Toby Loness, et puis j'ai décidé que j'allais être justement le côté raconteur d'histoire, cette liberté du raconteur d'histoire qui dit quelque. Voilà, au coin du feu ou le soir à l'enfant, raconte et peut dire. Un petit détour, même tu te souviens bien, je peux même me permettre de dire ça. Donc d'avoir cette liberté de raconter, de rentrer dans la tête et au contraire de m'en exclure complètement sans savoir exactement ce que pense un personnage de choisir la personne, vraiment c'est quand même du grand n'importe quoi. Enfin, c'est nos limites, vraiment, sur la manière de raconter. J'ai l'impression de... Et c'est lié à mes limites aussi. Sinon, j'arriverai pas à le raconter. C'est lié aussi à ma volonté de garder le lecteur avec moi. C'est-à-dire, je ferai tout, tant pis pour mon orgueil d'écrivain qui pourrait... Moi, tout ce que je veux, c'est que le lecteur soit toujours avec moi. Si je l'emmène
ailleurs que l'endroit où il s'attendait à aller, ou plus loin. Enfin, je lui sers pas la soupe, comme on dit au théâtre, pour un acteur qui fait juste met en valeur son partenaire. Ou je lui, là, je veux le, voilà, je veux, je le, quand même, je le secoue beaucoup. Je pense en particulier aux jeunes lecteurs. Je suis toujours admiratif. C'est l'acteur qui arrive, qui est dans des salons du livre ou des librairies, vient, au moment de faire signer, pose le livre comme ça, comme un Everest qu'ils ont, dire je l'ai lu, avec vraiment une sorte de victoire. Et voilà. Et puis il y a un autre aspect qui est un peu une, en pensant justement aux jeunes lecteurs, une initiation quand même, ça je n'ose pas toujours le dire, mais une initiation à la littérature, quoi. J'espère être un peu une initiation à cette... à toutes les ressources de la littérature et de l'écriture. Je suis très très touché quand des très jeunes lecteurs viennent me voir et me parlent de mon écriture, par exemple. C'est quelque chose, normalement, ils parlent beaucoup voilà, du sujet du livre, d'un personnage, mais très souvent, je viens de le vivre donc là, dans un salon du livre à Villeurbanne, beaucoup de lecteurs qui sont venus et qui parlent de... qui, très jeunes, mais même en classe primaire, me parlent de mon écriture. C'est quand même... Ça me touche. Oui. Et puis aussi, on avait des questions sur le... Vous abordez un sujet qui est difficile, oui, qui est peut-être devenu même plus, oui, difficile, oui, aujourd'hui, ou moins, qu'on peut aborder, oui, moins innocemment, oui, on peut dire, dans notre conscience, oui, innocente... ou pas nous. Donc il y a des questions qui sont posées sur la légitimité du romancier. Est-ce qu'on peut s'emparer de n'importe quel sujet? Comment, oui, le faire, alors... comment le faire sans tomber dans, ouais, quelque chose qui serait une leçon de morale, mais, ouais, comment inversement pas relativiser des... Ouais, c'était en fait... Voilà, quelle est la légitimité? Il y a eu des questions. Il y a eu des questions et je les ai percutées, ouais, qui m'ont été posées parce que au moment de la sortie du livre, il y a eu quelqu'un, un journaliste français a fait remarquer que le livre n'avait pas été pris par mon éditeur anglais et américain, n'avait pas été qui avait refusé, mon éditeur qui avait édité tous mes livres, voulait pas. Et c'est vrai qu'avec un argument du fait qu'il ne voulait pas, et j'en ai parlé tout à l'heure, ajouter un autre regard d'un auteur blanc à toutes ces voix qui ont raconté l'esclavage de ce point de vue-là. Et donc, or, c'est des sujets auxquels effectivement on pense sans arrêt dans ce sujet-là, parce que c'est d'abord, ça monte en puissance vraiment, ça devient d'ailleurs la plupart du temps de manière nécessaire sur la manière de parler, que ce soit parler des minorités, parler de la mémoire qui peut appartenir à une communauté. Donc j'étais dans un état c'est plutôt d'une sorte juste ce qu'il faut d'inconscience pour prendre le risque. Il y a le côté tous croyaient qu'il ne fallait pas, vint un homme qu'il ne savait pas, et ce fut fait. Il y a un petit peu ce truc-là qui fait que j'ai voulu un peu me faire un peu violence en racontant cette histoire, même comme lecteur, j'aurais préféré qu'un écrivain soit afro-descendant, ou bien que ce soit américain noir ou même africain, et puisse les raconter cette histoire précisément, parce que il y a la manière de le raconter. C'est-à-dire, je voulais vraiment que ce soit pas du témoignage, je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui emmène les gens qui n'avaient pas prévu, qui n'avaient pas prévu de découvrir ça. Je voulais vraiment ne pas prêcher que les convertis, que les gens déjà convaincus de l'atrocité de l'esclavage. Et ça, c'était très très important pour moi. Et donc, oui, alors ensuite, donc il y a une... Alors ça pousse à la créativité d'un certain côté, et ça pousse à être... Les tonnes de lectures que je fais dans tous les sens, je pense que c'est lié à...
essayer de faire semblant d'être légitime là-dessus. Je ne suis pas historien non plus, attention. Je ne suis pas historien, je ne suis pas... Donc d'essayer, en tout cas, de ne pas dire des bêtises. Enfin, vraiment, en tout cas, et ensuite, là, je croyais que d'écrire pour la jeunesse était un peu la planque pour pouvoir, parce que on fait pas trop attention, voilà, il fait ses petits Mickey là dans son coin, il fait et en fait non, c'est la consécration quand on est au cœur d'une polémique, donc voilà. Mais j'ai eu des débats passionnants, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les historiens, c'est ça, ce à quoi j'ai pas répondu tout à l'heure, c'était aussi ce rapport avec les historiens. Je pense à une discussion, une rencontre très très intéressante que j'ai eue avec Pap Ndiaye, qui est un grand historien, surtout de la condition noire. Il y a son livre de référence là-dessus, il dirige maintenant le musée de l'immigration de la Porte Dorée depuis quelques temps. Et là, ça a été passionnant, justement, sur le fait, parce que c'est... Alors, il est franco-sénégalais, non, il est français, je pense, mais son père était sénégalais. Et c'est le frère de Marie Ndiaye, d'ailleurs, et romancière. Et lui, il me disait, mais oh, t'as tellement de bol d'avoir le droit de rentrer dans la tête des personnes. Enfin, au sens où t'es romancier, là c'était ça, de pouvoir raconter cette histoire qui est en dehors des, qui, ton personnage n'existe pas, ces licences de la littérature, du roman que je m'accorde. C'est vrai que les historiens, même si certains peuvent faire des vraies reconstitutions avec une part de fiction pour rendre réel dans la manière de raconter les choses. Je pense justement à Marcus Rediker, dont je parlais tout à l'heure, qui essaie de reconstituer des scènes presque romanesques dans ce qu'il écrit. Donc moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce stress de la légitimité devienne une manière d'essayer de me dépasser, d'être... Et ensuite qu'on juge sur le fond, c'est-à-dire, je sais, c'est terrible, mais je sais que quand, arrivant d'un récit qui, par exemple, se passait dans au bord du Niger, dans le petit royaume de Boussa, essayer de faire vivre cette Afrique du XVIIIe siècle et de la mettre sous tension, de la faire exister dans un... Et puis tout à coup, je me retrouvais dans une messe de minuit à La Rochelle. Je me disais, ah, ça, je suis au milieu des esclavagistes et des... je suis vraiment chez moi, là. Ah, quel bonheur de décrire une procession, de décrire ces éventails. Et ça, ce sont ces déformations de l'auteur qui sont l'intérêt du jeu. C'est-à-dire, je sais que j'ai un point de vue, du romancier, justement, héritier du roman occidental. Mais, en fait, comme lecteur, c'est tout ce qui m'intéresse. Là, je lis, je dois avoir dans mon sac, une histoire une histoire de la Révolution par Éric Hazan. Alors c'est très drôle, j'ai lu un petit peu les critiques et je vois que le journal L'Humanité, il est sorti en 2012, L'Humanité en fait une critique. Alors, je voyais que c'était vraiment une vision d'extrême gauche et tout ça, mais sauf que L'Humanité dit que c'est une honte ce livre, et je découvre. Voilà. Et moi ça m'intéresse, et en effet c'est une lecture, alors ça doit être, c'est une autre extrême gauche que les rédacteurs de L'Humanité, mais ça m'intéresse, ces déformations du récit. Il suffit que j'en lise une autre version ensuite, que je lise Furet ou que je lise je sais pas quoi, pour voir complètement une autre manière. Et moi je me forme, je me positionne par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Donc je sais que je suis
déformé, que je suis... Mais là, j'ai réalisé récemment que, par exemple, je ne dis pas la couleur de la peau de mon héroïne. Alors, c'est vrai que là, ensuite, il y a eu les illustrations qui sont arrivées par François Plath, mais je dis... Et que même, la première fois où je parle de la couleur... Si je parle de la couleur de sa peau, c'est un moment où je dis... Elles sont là, tranquilles, à se chauffer le blanc des pieds, ou quelque chose comme ça. Donc, je choisis... J'essaie d'être complètement avec mon personnage et j'y arrive pas et cette difficulté est touchante aussi, enfin fait partie du roman. Voilà. Il y a écrit sur la couverture et Alma, mais au-dessus de Timothée de Fombelle, il y a un grand écart entre un auteur de 48 ans, bientôt 49, du 21e siècle et une jeune fille de 13 ans du 18e siècle, africaine, une fille aussi, alors que je suis plutôt un mec, un truc. Vraiment très. C'est. Oui. Mais comme lecteur, c'est ce que je guette dans les livres que j'ai. Quand je lis Flaubert, je cherche le médecin, je cherche le. Plein d'aspects. Merci beaucoup, parce que ça montre qu'il y a la question qui peut parler de quoi, mais que derrière, il y a la question comment en parler aussi, enfin, que la question des choix narratifs, elle va être vraiment importante, et j'aimerais rebondir un peu sur cette question des choix narratifs, parce qu'on sent une vraie réflexion sur l'éthique de la narration aussi dans Alma, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, et puis peu importe, hein. Peu importe, mais finalement, par exemple, votre narrateur, ce fameux narrateur omniscient, il ne va pas partout, hein, il ne montre pas tout directement. Il y a des scènes qui m'ont frappée, par exemple, la scène du début du tome 2, dans lequel il y a l'accouchement de la mère d'Alma, et qui est racontée par un personnage tout à fait secondaire. Et au début, moi, je n'avais pas compris que c'était la mère d'Alma, ce personnage auquel je m'étais attachée, et quand je l'ai réalisé, évidemment, j'étais bouleversée. Mais c'est arrivé par un espèce de décalage, le récit de cet accouchement dans des conditions difficiles, dégradantes, et déléguer un autre personnage, ça revient très souvent. Par exemple, Gardel nous présente aussi ses méthodes atroces pour prévenir les rébellions en donnant des captifs aux requins. Il y a Luc de Lerne, le pirate, qui nous raconte comment on a fait couler un navire, le Porcupine, avec des captifs à bord. Mais ça, c'est justement des discours apportés qui fonctionnent comme un espèce de sas, hein, qui montre sans montrer. Donc voilà, j'avais une question sur, entre nécessité de montrer, puisque le sujet exige qu'on montre, on ne peut pas ne pas montrer, entre nécessité de montrer, mais en même temps aporie du voyeurisme, enfin voilà, comment est-ce qu'on fait entre l'aporie du voyeurisme et de l'atténuation dans un ouvrage qui en plus est pour la jeunesse. Et puis je rajoute, désolée, je rajoute une deuxième question mais qui fonctionne avec. Mais j'étais aussi frappée par la représentation des personnages actifs, agissants, même quand il s'agit de captifs. Alma, elle est toujours en train d'agir pour sauver son frère. Elle répète qu'elle est libre. On voit Nao échapper au maître crampon. Il y a même des choses du point de vue narratif qui sont très subtiles. Par exemple, l'âme qui réussit à s'enfuir. Sa fuite est d'abord l'échec de sa fuite est d'abord raconté en dénarré, c'est-à-dire par un narrateur qui dit il pourrait ne pas réussir à s'enfuir, il pourrait être rattrapé comme le sont des tas d'esclaves. Et vous avez parlé de ces annonces, hein, d'esclaves qu'on cherchait à retrouver, etc. Finalement, il réussit, mais en fait, finalement, en dénarré, il y a le récit fréquent, enfin, le sort fréquent du personnage qui va pouvoir être évoqué, mais avec cette petite protection de ça ne va pas se passer, mais je vous mentionne quand même que ça pourrait se passer comme ça. Donc, ça, c'était pour prendre des exemples de ce travail éthique de la narration sur le sujet de la traite. Comment est-ce que vous avez fait entre. Voyeurisme, atténuation, comment trouver la voie du milieu, et puis la question des représentations agissantes et des nouveaux modèles aussi sur l'imaginaire du lecteur sur la question de la traite, comment transformer. Vraiment, vous avez pigé ma boîte à outils là, vraiment. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup dans ce reflet que, heureusement, on ne fait pas fréquemment. Enfin, on ne vient pas à Nanterre si souvent. Entendre décortiquer des choses qui pourtant sont exactement mes préoccupations de chaque jour dans l'écriture.
raconter l'inracontable, enfin raconter, par exemple, raconter l'horreur, comment doser, comment ne rien cacher, parce que il s'agit pas de cacher ou de mentir. Je sais pas, par exemple, je pense à quelque chose, c'est le traitement des femmes captives sur le navire. Heureusement pour moi, qui écris des livres pour les jeunes lecteurs, il y avait un certain nombre de bateaux où il n'y avait pas d'exploitation sexuelle et j'ai choisi un maître, un capitaine qui est une ordure absolue, hein, mais qui a cette règle, cette sorte de il y a vraiment, on ne sait pas où se casent les valeurs de ce genre de personnage. Mais et ça, j'ai quelques récits, j'ai quelques d'ailleurs, quelques théologiens, capitaines, qui arrivaient à trouver une cohérence dans leur vie malgré ce truc impensable. Donc là, alors que en revanche, dans la plantation, il fallait que je montre. Que ce, par exemple, ce crampon, là, il est très, très, très difficile d'éviter. Donc, je raconte, en effet, par des... tous ces moyens que la littérature permet et que rien d'autre ne permet. Il y a des producteurs, là, qui ont pris les droits d'Alma pour en faire une série en images réelles, enfin vraiment un vrai bon truc. On va voir, ça, justement ils vont se casser, il ne faut pas le dire trop fort si on est filmé, mais c'est quand même, si j'ai écrit un roman, c'est que c'est très très difficile de le raconter, tellement, je ne sais pas, je pense à la nudité par exemple, c'est quelque chose, moi je le glisse à quelques moments, c'est dans le bateau, tous les captifs sont nus, on a juste donné un bout de tissu éventuellement à certaines femmes, voilà, c'est un sujet, moi, que je peux juste le dire et on l'oublie et on ne le représente pas. Et d'ailleurs, François Place triche dans ses dessins. Et ça, c'est quelque chose qui... justement, même quelques illustrations en noir et blanc, ça pose un problème. Mais moi, je peux réussir par par les ruses de l'écriture, je peux contourner ces difficultés, en effet, raconter quelque chose quand ça a déjà eu lieu, avoir le récit. Enfin, il y a quand même une sorte, de toute façon, que ce soit par rapport à l'horreur ou par rapport à... il y a forcément une sorte de pudeur de le raconter, mais comment le raconter malgré tout, parce que c'est ça que je voulais. Il y a des jeunes lecteurs que j'ai rencontrés là qui me demandaient mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire vraiment. Alors, en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas dire frontalement, mais il n'y a rien que je me suis complètement... Il y a peut-être une chose que je n'ai pas mis dans le livre, que j'avais lu pourtant dans un témoignage direct, enfin écrit dans une lettre que j'ai trouvée, qui était le fait que 4 ou 5 jours avant l'arrivée des navires à Saint-Domingue, on avait l'odeur de mort qui arrivait en avance et on sentait que le navire allait arriver. Ce qui dit l'état, mais de vraiment le cimetière que pouvaient être certains navires. Là, j'en ai encore suivi un, si j'ose dire, là, entre la Sierra Leone et qui partait à 270 captifs et qui arrive à 110 captifs sans qu'il y ait une énorme catastrophe, mais qu'il y ait des maladies, des quand même une il y a eu de bon donc c'est cette horreur là je la rends accessible à celui qui la veut, c'est celui qui va comprendre un aspect, va comprendre entre les mots ce que j'écris sur les requins, justement la présence des requins. Les requins, quand même, ils suivaient, on nourrissait les requins pour continuer à faire peur et enlever l'envie de se jeter à l'eau, même s'il y avait aussi les filets qui empêchaient de se jeter à l'eau, parce que pendant la journée les captifs étaient sur le pont et on nourrissait les requins pour pendant la traversée, pour qu'ils restent là,
Alors, il y a vraiment quelque chose qui demande des... Vous voyez, Et comme je suis parti de l'idée de rendre témoignage et de raconter cette mémoire-là, j'essaye d'en dire malgré tout le plus possible. Et la deuxième partie de la question... Ah oui, les personnages agissants. Alors oui, ça c'était très important pour moi. C'est le moment où j'ai décidé, pendant très longtemps, j'ai tourné autour de mon histoire en disant, mais que je disais tout à l'heure le personnage ballotté. Et c'est un peu la vision qu'on peut avoir d'une jeune fille, par exemple, mise en captivité et jetée dans un navire et qui ensuite va être esclave, vendue, etc. Et la révélation que j'ai eue, c'est le moment où j'ai décidé de la mettre Alma dans une petite pirogue et de ramer, nager, comme on disait pour la rame, pour être précis dans le vocabulaire, nager avec dans sa petite pirogue vers le bateau et grimper dans le bateau. Et tout à coup, en décidant que Alma voulait dire liberté dans la langue oku de son peuple, je faisais en sorte qu'elle allait être agissante. Et j'avais fait ça un petit peu comme une manière justement de contourner le problème de ces captifs enchaînés qui passent de propriétaire en propriétaire. Et ensuite, en me plongeant en revanche dans l'histoire, et en particulier dans les rébellions, dans la capacité qu'ont les personnages à trouver des moments de liberté. Je peux peut-être lire un tout petit passage là qui me vient là-dedans. C'est très bien, c'est très bien. 200, je ne sais plus très bien où c'est, il me semble que c'était 200. 17. Voilà. Montrer comment dans ce monde si dur, il y a des poches de liberté, il y a des poches quoi qu'il arrive, il y a agissant la mère Nao qui raconte et qui fait tenir, et ça je l'ai vu, je ne l'ai même pas inventé, j'ai lu le récit d'une rébellion qui allait avoir lieu parce qu'on avait empêché la conteuse de continuer à raconter son histoire qu'on répétait à travers le navire qui chantait. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai même pas besoin de l'inventer, je le prends tel quel. Donc, et plus je me plonge dans, plus je vois toutes ces manières, les empoisonnements sur les plantations, toutes les manières de réagir, de trouver de la liberté, de pourrir la vie des commandeurs, de saboter, il y a vraiment, évidemment qu'il y a une imagination, et c'est tous des héros. Enfin, je voulais essayer de faire tous des héros. Quand je dis aussi qu'au fond de mon pont inférieur, les femmes, il faut imaginer les femmes qui sourient et qui même rient, et je sais que c'est le cas. Voilà, même pour avoir vécu un peu en Afrique, je sais qu'il est impossible qu'il n'y ait pas des moments de rire. Le soir venu, à 8 heures, la lumière est si basse qu'on risque de piétiner les rangs de coton. Le sifflet annonce la fin de la journée. Si la lune était pleine, le travail durerait jusqu'au milieu de la nuit. Pas de salaire, pas d'horaire, il n'y a aucune limite. Pas d'autre règle que la fantaisie des chefs. Et pourtant, sur le chemin du retour, les outils sur l'épaule, le chapeau à la main, on se rappelle tout à coup qu'on est des êtres humains. Quelqu'un parle de l'enfant qu'il va retrouver dans sa case ou du maïs qu'il veut bien moudre pour les voisins. L'âme, c'est le nom du petit frère donc d'Alma qui est tout seul dans cette plantation, l'âme oublie un instant la révolte qui gronde en lui. Il cesse un peu de penser au sien. Il compte seulement les restes de vie autour de lui. Quelqu'un regarde un morceau de ciel rouge à l'horizon. Un autre ralentit discrètement, se laisse doubler par les autres pour attendre une fille qui doit arriver d'un champ plus lointain. Un vieux a remarqué ce manège et sourit. L'âme entend des rires devant lui. Il regarde ses corps fatigués qui s'inventent un moment de paix. La journée est finie. Certains sont nés ici et ne connaîtront rien d'autre.
Il faut donc que tout ça ressemble à une vie. Il faut plaisanter, prendre une herbe entre ses dents, rêver, tomber amoureux de temps en temps. Dans ces moments, l'âme aime être le plus jeune, se glisser près de la vie des grands, s'entendre appeler petit frère par une femme qui lui fait porter sa pioche et qui dit en secret à une autre « Regarde, comme il sera beau un jour, celui-là. » Il y a ceux qui arrivent à tout oublier, il y a ceux qui font semblant, et puis il y a celle qui ne se consolera jamais, détruite par le malheur, qu'on aide à marcher, mais qui commence à dire des choses que personne ne comprend. Elle s'appelle Douce, elle perd la tête, elle a 20 ans, et là vous allez voir quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est très jolie même avec les initiales de la maîtresse gravées sur la joue depuis le jour où elle a cherché à s'enfuir. Donc ça, c'était important à un moment pour moi de montrer comment la vie s'infiltre, quoi qu'il arrive dans ces plantations, et tout, là pour le coup, on peut planter la place de la musique, la place du petit carré de terre qu'on cultive et dont on peut parfois aller vendre le dimanche quelques produits, l'amour, qui est tous les moyens de survivre dans cet enfer qui est vraiment bien autre chose que simplement le travail forcé, c'est la famine aussi, la violence physique, toutes les formes de violence qui faisaient quand même que si je disais qu'il y a 40 000 par an de nouveaux captifs qui arrivaient pour devenir des esclaves, c'est que alors que déjà des millions étaient déjà arrivés, c'est qu'il n'y avait même pas de naissance, qu'il y avait énormément même d'avortements pour ne pas condamner l'enfant à la peine qui était vécue par les parents. Donc voilà, c'est dans tout ça, c'est le dernier mot du premier tome, d'ailleurs le mot « lumière », il faut de la lumière. Eh bien, sur ce très beau mot, nous allons vous remercier, Timothée de Pombelle. On vous écouterait bien jusqu'à l'aube. Mais la bibliothèque a des horaires et j'aimerais, avant de nous quitter, remercier très vivement la bibliothèque pour cet accueil et cette organisation. Merci beaucoup, Timothée de Pombelle, d'être venu. Je voudrais vraiment vous remercier d'ouvrir vos cours à ce monde quand même très particulier qui est la littérature pour la jeunesse, qui est vu quand même un peu marginal. Et puis vous, vraiment, de votre curiosité, d'être venu un mardi en fin d'après-midi, voilà, et la bibliothèque aussi, d'accueillir et de faire ce crossover, c'est ce qu'on dit, des livres qui sortent un peu d'une case et essayent de toucher plus de lecteurs, voilà, entre la grande littérature du XVIIIe siècle et la bonne petite littérature d'aujourd'hui. Voilà, merci. On attend le tome 3. Mais je suis content. Merci beaucoup.